Salut à toutes et à tous, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, là, juste il y a quelques instants, quelques heures, qui s'appelle Magikarp Jump. C'est un nouveau jeu Pokémon qui est sorti, à mon avis, un peu après la musique, en rapport avec la musique de Magikarp. Je sais pas si vous la connaissez, elle est sortie il y a pas longtemps, je vous mets le lien dans la description. Elle est énorme. Et du coup, en fait, le jeu est pas sorti officiellement en France, mais on peut se procurer le jeu sur Android, ça se joue, ou sur iPhone. Donc je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Merci Pokékalos d'ailleurs d'avoir fait les démarches pour trouver le lien. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite en français. Alors, c'est de la découverte. Alors, veuillez saisir vos mois et années de naissance. Alors, c'est excellent parce que j'utilise un logiciel pour filmer ça. Et du coup, je peux utiliser mon clavier pour jouer. C'est énorme, ça. Oui, je suis né en décembre 93. Très bien. Ah, du coup, vous avez dû voir la souris sur le truc. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est énorme. Bienvenue dans le monde de Magikarp Jump. Mère de Bourcarp. Je suis le maire d'une petite ville appelée Bourcarp. Tout le monde ici adore les Magikarp. Ah bah génial, et moi aussi j'adore. Hein. En passant, est-ce que vous, c'est pas quand même un Pokémon que vous appréciez? Même s'il est pas très bon. Quand même mignon, et quand même symbolique. Dès qu'on a un endroit de libre, on y élève un Magikarp. Regardez-moi ça! Vous savez que la musique c'est énorme. Je te demande ce que ça fait, un Magikarp. Ça gigote, ça sautille, ça remue. Certains payent ça à faire trempette. Soyons honnêtes, en combat il est tout pourri. Hein. Il n'y a pas plus faible que lui. Il ne fait rien d'autre que sautiller, mais bon, c'est un côté attachant. Bref, Magikarp est notre Pokémon favori. Ok, donc on vit dans un monde de Magikarp. Dans cette région, on s'intéresse beaucoup à la puissance de saut des Magikarp. Du coup, on a créé 8 ligues. Mais ça fait des lustres qu'aucun habitant de Bourcarp n'est devenu maître. Et je sens que nos Magikarp sont tous démotivés. C'est à peine s'ils gigotent encore, ils remuent, mais le cœur n'y est plus. Ça ne peut plus durer comme ça, du coup... Oh, regardez! Eh, c'est quand même Kalem un peu, hein, dans XY. J'ai invité un pro de l'entraînement Pokémon au village, toi. Je te confie la tâche d'entraîner un Magikarp capable de battre les ligues. C'est parti. Je te fais confiance pour que les Magikarp du village retrouvent leur vivacité. Tu as compris? Entraîne un super Magikarp, bat les 8 ligues et hop. Facile, non? Bon, commence par me montrer ton Magikarp. Comment ça, tu n'as pas de Magikarp? Comment ça? Mais ça ne va pas du tout, vraiment, il faut tout faire ici, viens. Ah, regardez-le! J'adore en chibi comme ça, je trouve ça super mignon. Bon, j'espère que ça vous plaît, c'est assez original, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce Magikarp. Le pouce Magikarp. Regarde, voici 3 cannes à pêche. C'est trop drôle, les clins d'œil, franchement, c'est énorme. C'est un jeu officiel, hein, je me permets de le répéter, c'est vraiment un jeu officiel. C'est l'outil indispensable pour pêcher un Magikarp. Dans ma jeunesse, j'en ai pêché et élevé des tonnes, tu sais. Maintenant, je prends mon temps, je les élève à mon rythme. Et je vais te donner un des miens. Laisse-moi te choisir une canne, celle-là. Oh, vas-y, vas-y. Je sais pas comment il faut faire, non, je pense que c'est automatique. Vous avez pêché un Magikarp, oh là là. Ah mais oui, non, mais la canne nous permet de pêcher un Pokémon. Voilà un Magikarp qui a l'air d'avoir de la détente. Ok, donc notre Magikarp est niveau 1. Motif, normal, bonus individuel, PS, plus 100%, entraînement. Ok, très bien. PS, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le parti socialiste, hein, je ne pense pas. Regardez-moi ça. Non mais regardez, c'est pas un Pokémon qui se balade comme ça. Regarde comme ce Magikarp est vigoureux. Bon, tu peux commencer ta carrière d'éleveur. Écoute-moi bien, je vais t'apprendre comment élever un Magikarp. Après, je pense que le jeu, c'est un petit jeu assez basique, hein, ça va pas être une aventure Pokémon comme dame, mais on va comprendre un petit peu. Alors, pour gagner à la ligue, il faut que tu augmentes la puissance de saut de ton Magikarp. Celle-ci est exprimée en PS, donc puissance de saut. Nourrir son Magikarp, touche les B à l'écran pour que ton Magikarp les mange. Oula. La nourriture augmente les PS. Tu as vu la puissance de saut augmenter. Fais-lui donc manger le reste. Ok, je peux appuyer plusieurs fois pour... d'accord. Ah, d'accord, il reste des baies, excusez-moi. C'est l'heure de s'entraîner. Magikarp peut augmenter ses PS d'un coup en s'entraînant sérieusement. Alors, entraînement. Point d'entraînement 3 sur 3. Allez, c'est parti. On va renforcer ce Magikarp parce que... Les musiques sont sympas, hein, je peux en penser. L'entraînement du jour sera... Ah, on dirait un peu le SPV. Bah ouais, c'était ça hein, qu'il y avait dans XY et Rosa aussi. Frappe sac. Magikarp, charge. Ok, bon, je fais rien. Magikarp gagne des PS grâce à l'entraînement. Bien. Notre Magikarp gagne 70 PS. Vous rentrez au bassin avant la tombée de la nuit. Retour au bassin. En fait, c'est un bocal, quoi, non? Quand vous avez gagné suffisamment de PS, essayez de défier une ligue. En route.
pour gagner à la ligue, il faut sauter plus haut que tous ses rivaux. Ok, alors là, c'est parti. Ligue copain, en avant. Nous voici à la ligue copain. C'est très enfantin. Hein. Et comme à chaque fois, c'est moi, Jean-Michel Picarpe. Et voici le duel numéro 1. Magikarp n'a pas l'air d'avoir fini sa croissance. Que va-t-il se passer? Le public retient son souffle. Le signal va être donné. Tout le monde est prêt? Saute, Magikarp. Attention. Saute, Magikarp. Ils bondissent. Et du coup, il faut faire quoi? Ils sont déjà retombés, mais qui a gagné? Ouais, c'est moi. Magikarp prend pas de la victoire. Magikarp, il y en a deux, c'est lequel? Ok, donc j'ai gagné. Le perdant a la tête dans le sol. Ok, quand ton rang d'éleveur augmente, tu récupères des points d'entraînement et tu gagnes des diamants. Donne tout ce que tu as. Ok, bonus de victoire à 4 pièces. Vous avez obtenu une récompense. Allez, c'est parti. Maire de Bourcarpe, quoi? Tu as déjà une victoire à la ligue? Tu ne perds pas de temps, toi. Bon, pour l'instant, on n'a strictement rien fait. Si tu continues comme ça, toutes les ligues tomberont en un rien de temps. Ah, je m'emporte. Commençons par celle pour débutants, la ligue copain, la ligue rapide. Je te rappelle pourquoi tu es là, hein. Deviens maître ou rentre chez toi. L'aventure de toute une vie, ou presque, va enfin commencer. Direction le monde du rêve, de l'amitié, de l'amour et de Magikarp Jump. Ouais, je pense que ça commence vraiment. En résumé, miam miam, on sue, on saute. Ok, c'est pas compliqué, fais juste en sorte que ton Magikarp saute le plus haut possible. Ok, donc on a des récompenses. Ah, donc ça n'a pas les mêmes noms, hein, vous voyez, que d'habitude. Alors ça, c'est mon bocal, donc qui donne ses baies, en fait, c'est ça la question. Je peux aller en haut? Non. Ah, il y en a une autre. Je pense qu'il faudrait arriver jusqu'au bout. Ok, niveau 3. Bon, du coup, on va pas se... Voilà, on va pas manger toutes les baies, je pense. Peut-être un moyen de jouer directement. Alors, entraînement. C'est parti. Le nom du jour sera 129 contre-saut. Ok. Contre-saut. Bondi, Magikarp. Mais il faut appuyer ça. Excellent. Attendez, mais j'ai strictement rien fait. Tiens, quelqu'un marche à votre rencontre. Quand soudain, le hasard peut frapper à la porte quand on s'y attend le moins. Une grande variété d'événements peut se produire, alors ouvrez l'œil. La pépite. Tiens, qui c'est ça? Homme louche. Ouah, dis donc, il est fort en Magikarp, je vois. Je vais t'offrir mon trésor, une pépite. Vous revendez la pépite pour 4 pièces. Ok. Oh, regardez qui j'ai trouvé. Buffet à volonté. Touchez Manaphy lorsqu'il apparaît, votre Magikarp pourra se remplir la panse avec des tonnes d'aliments apportés par des Pokémon. Oh, j'adore Manaphy. C'est où Buffet à volonté? Oh punaise, on mange des coraillons les gens. What? Mais qu'est-ce que c'est que ce bins? D'accord, donc dès qu'on a trouvé Manaphy, ça nous a donné un super repas. Ok, donc on a eu Buffet à volonté. Bon, on va passer... Ah non, mais je pense qu'il faut être niveau 11 pour pouvoir faire la ligue, ou la battre du moins. Bam, on grandit. On va retourner au village un petit peu pour voir. Alors, les pièces que vous gagnez à la ligue peuvent être utilisées pour acheter des objets utiles. Donc on peut acheter des nourritures, de la nourriture. Et on a plusieurs baies. Donc visiblement le Magikarp mange que des baies et un lava cookie. Ok, très bien. Donc est disponible au rang d'éleveur 3, d'accord. Ensuite entraînement. Les entraînements sont choisis au hasard. Achetez-en des nouveaux ou faites-les monter de rang pour renforcer votre Magikarp. Ok, on a le pouce cabricoc, coupe tronc. Ouais, c'est pour s'entraîner. Bon, nous on a le saut, le compte-saut et le frappe-sac. Ok. Alors, boutique, objet d'amitié. Non, on n'a rien, ok. Décoration. Grâce aux décorations, votre Magikarp se développe plus vite. Décorez donc votre gas. Décorez donc le bassin à votre goût. Oh, c'est sympa ça. Moi, j'imagine que les diamants, c'est payant. Ah non, si on accumule des coupons, ok. Mais voilà, c'est payant, vous avez une boutique. Je ne pense pas que... Ah, oh, il voulait me faire payer 11 euros là. Eh!
On achète pas facilement, moi. Ok, bon, moi je suis rang 1. Bon, on va s'attaquer à la ligue alors. On va tenter de faire une ligue et puis on s'arrêtera là. Défi à la ligue. Tour 2, c'est parti. Par contre, j'aimerais bien pouvoir sauter moi aussi. Voici la ligue copain, on a compris. Bon, elle est passée. Qui est... Ouais, c'est moi le plus haut encore. Punaise. Ils sont déjà retombés, mais qui a gagné? Ok, j'ai fait 14m77. Très bien. Vous avez battu votre rival. Et moi, je passais rang 2. Ok. On a gagné 10 diamants. Les magicarbes que vous pêcherez pourront maintenant atteindre le niveau 12. Bonus de victoire. Très bien. Je suis un peu déçu. Alors, je vous fais juste un test de vidéo. Hein. Je suis pas là pour vous le vendre. Je fais un test. Et je vous avoue que je suis un petit peu déçu. À moins que ça change par la suite, mais... Bon, je doute que j'y arrive tour 3, bon, si jamais. Pourquoi on peut pas plus interagir avec le jeu? C'est-à-dire qu'on appuie un peu sur le bouton et... Je sais pas, là, je viens d'appuyer plein de fois, mais c'est sûr qu'il fallait appuyer juste une fois. Ouais, je suis encore plus haut. Et pourquoi on peut pas faire plus de choses, en fait? Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'il faut manger plus de baies dans le bassin? Je sais pas, moi j'appuie comme un fou, mais ça se trouve que je peux appuyer une fois. Ouh, c'est limite là. Bon, moi toujours 14m77, j'imagine. Eh, ça va être limite avec le dernier. On va voir ça. Si on n'y arrive pas, il faudra manger un peu plus. Allez, c'est parti, tour 5. Jean Carpe. On va affronter Jean Carpe. Maître de la ligue copain. Magikarpe vs Jean Carpe. Allez, on passe. C'est parti. Saute Magikarpe. Il bondit. Ah, c'est bon je pense. À mon avis il a dû faire 14 mètres. Ouais, 13,90. Magikarp prend pas de la victoire. Yes. Vive Magikarp. Et voilà, on est maître de la ligue copain. Bon, il y a 8 ligues à faire. Je vous ai juste fait cette vidéo en test parce que je trouvais ça marrant avec les Magikarp. Ils aiment bien mettre en avant Magikarp en ce moment, je trouve. Du coup, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et puis... Voilà, c'était un petit moment fun. J'espère en tout cas que vous avez passé un moment fun. Moi, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos sur Pokémon principalement, mais sûrement d'autres licences aussi sur la chaîne. Vous verrez ça par la suite. Je vais faire normalement une autre licence là très prochainement. C'est pour ça, restez connectés. Hier, on a eu la balle lumière, génial. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher le pouce bleu. Également. Bleu comme ce beau bassin, vous voyez. Et Pikachu vient visiter votre bassin. Génial. Merci Pikachu. Voilà, c'était Galius. Portez-vous bien à la prochaine. Ciao, ciao.